Ça fait passer 3 heures de temps depuis sénateur Yuri Latortue a répondu question directeur ILCCA sous l'argent qui était prêté dans main Lona. Nous gagnons reporter nous qui présent sous place Hervé Noël cap dit nous plus Hervé qui en situation présentée. Bonsoir Lignan, bonsoir tout auditeur du ILCCA. Effectivement, donc ça fait plus de 4 heures de temps sénateur Latortue dans la plus grande question et directeur général ILCCA. Jacques et Lydine Joseph sur les projets ou bien sur les questions et près que et sénateur la tortue qui était dans l'UNA. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent c'est même tableau et Liliane par rapport avec les dernières fois que le sénateur la tortue est rentré dedans. Les militaires ont toujours mobilisé dehors là pour obtenir le sénateur la tortue aussi et parallèlement des mouvements de la Nanoui et sa côté là, côté où mettez en pile, branche bois, roche et vous mettez tout. Carcasse et véhicules, parce que deux véhicules qui sont là, ils mettent sur toutes les routes. Donc, c'est pour sa situation. Et l'agent Estimo toujours après, disposant bien, l'agent Estimo toujours dehors, là, devant et local ULCCA, après mettre en sécurité et plusieurs et militants, bien, plusieurs et dirigeants de la démocratie qui sont là matin. Donc, il y a un pile là où qui est déplacé, même qu'à ouest. Ancien sénateur Soël Jacques-là, gagné ancien député hommage qui l'a tout, et d'autres militants, par exemple, Jean-Louis qui l'a toujours. Donc, la peine pour nous est, est-ce que le sénateur l'a tortue a fait ceci au niveau en local du LCCA. Donc, la peine et les journalistes toujours pour mobiliser les militants, la peine et sa capacité dans le LCCA lui-même. Vous parlez en quel détail sur qui j'ai interrogatoire à poursuivre? Je ne peux pas donner de détails jusqu'à présent, sauf que ça lui a dit cela que 2 à 3 minutes et porte-parole et AAA. Et soit tu dis à la Mackely Nelson, ça peut faire geste avec militants et au mettre posé, Mais en ce qui concerne le déroulement audition en lui-même, on ne peut gagner aucune information qui s'est fait et Jean et ça peut dérouler en dedans. Le sénateur Yuri Latortue dit pour côté ou bien le gars avocat Lavelle? Oui, il y a un avocat qui est avec lui. Il y a aussi allé nous mettre Samuel Madissé avec lui. Il y a tout Hans la tortue qui s'est joué lui la tortue qui s'est accompagné le tout pendant sa propre pendant. Donc, et puis lui-même tout qui est en dedans au niveau de l'ULCC. Donc, la personne pour nous est que ça pas le bail, mais toujours des mobilisations dehors là et dehors du cas de l'ULCC. Donc, interrogatoire a commencé depuis à midi? Il a commencé exactement, c'est midi moins. Le sénateur Yuri Latortue est rentré en dedans et dans le bureau de l'ULCCA. Donc, pour le moment, il y a 4 heures, donc ça, c'est 4h25. La position a commencé au niveau de l'ULCCA. Il est passé 4 heures de temps. Et vous dites qu'il y a quelques personnalités qui déplaçaient, mais il y a l'autre qui était. Et vous parlez moins tout de militants qui sont toujours là et la police. La police, oui, la police, agent Simoyo. Et monter la date là devant et agent et l'élément de BIM qui est là, donc parallèlement militant autour, après continuer, mais dans bien cela, est-ce que vous voulez, tandis que j'en taille, j'en capable de permettre de suivre comme ça y est. Bien sûr, Hervé. Voilà, c'est Constant Saïe devant ULCC. Il faut souligner Liliane. Et... C'est militant AAA. Donc, c'est des militants AAA, il y a des militants secteur démocratique là qui l'a tout. Nous connaissons quelques figures, par exemple, régionales qui sont toujours dans le mouvement au niveau de Chenmas. Il y a Blanta Souti là tout.
Donc c'est en pile militant secteur démocratique mêlé avec militant Akila. Donc nous avons souligné que ça là au niveau il y a deux heures, c'est un mouvement de protestation disons aussi et sorte de et mouvement qui t'a développé devant ULCC à côté. Et bien plusieurs militants qui ont tenté de mettre au caoutchouc, voulaient au caoutchouc devant le portail, et que la police est obligée de faire intervention. Donc la police en pile balle en l'air, en pile gaz lacrymogène, pour être capable de et jusqu'à ce coup-là. Donc c'était un moment de frottement qui s'est gagné au niveau de devant ULCC là. Et les militants ont été un petit peu évacués et ont été et mobilisés encore, ont été rassemblés encore au niveau de et devant ULCC là. Donc, l'Apton. Et pas les deux machines, l'État boulet, pas vrai? Donc, c'est deux machines. C'est un minibus, les services de l'État, et puis il y a une autre, c'est une cabine blanche qui boulet, qui est faite dans l'ULCC. Quand ces véhicules qui étaient tout créés, ils sont obligés de faire diligence pour le déplacer parce que menace pour que le système soit géré et réel en pile au niveau 2 et 8, ça peut tout. Moun qui a dirigé l'interrogatoire, c'est le directeur général de l'ULCC, Maître Hans Jacques Ludwig Joseph. Exactement. Donc, c'est lui-même qui a fait et dirigé et audition ça. Il nous connaît qui est lancé depuis quelques semaines. Hier, je signalais nous que maman Yuri Latok qui s'est présenté devant ULCC. Donc, il s'est fait représenter par avocat parce qu'il évoquait des questions et pensait qu'il ne pouvait pas permettre de déplacer ce type de Vini et pour reprendre. Eh bien, très bien. Aussitôt que il y a une évolution dans le dossier, on va performer, non? D'accord. Merci, Sissou. Merci, Liliane. D'accord. Parce que je fais recevoir une note de presse là, direction unité ILCC, qui dit les condamnés, je vais retourner avec l'information ça, qui fait que tomber sous dans la boîte mail, je vais venir avec lui. Mais c'est concernant justement l'interrogatoire. Là, je vais retourner tout de suite. Mais pour Kouniela, on allait dans Gonaïve, côté activité, on était bloqué, particulièrement dans le centre et ville Cité Indépendance, à cause de plusieurs jeunes, dans le quartier Raboto, particulièrement, surtout jeunes garçons, et qui étaient mobilisés d'après sa retire pour te solidarité au sénateur Latibonite, là, et ancien président sénat Yuri La Tortue. Ils ont mis des barricades, boule caoutchouc, te gen en pile et coup de zam qui te tiré d'après sa correspondant nous fait connait et moun qui impliqué dans mouvement protestation ça yo longé doit yo sous pouvoir tête caléa et selon yo même qui derrière convocation et sénateur Yuri La Tortue et qui semblait sous compte deux gouttes d'eau à persécution politique d'après ça yo dénoncé José Jean-Baptiste pour plus de détails. Banque commerciale, bureau l'État, grand commerce, marché communal, ils ont tout pas fonctionné à cause de tensions qui t'ont monté dans la ville. Bonnet matin, jeudi 13 août 2021. À l'origine des situations, ça, c'est un groupe jeune garçon, Ludma Amé, qui pour la plupart sorti dans le quartier Raboto, qui te voulait porter solidarité à l'ancien sénateur Yuri La Tortue, qui doit répondre à l'invitation juge unité qui a lutté contre corruption, matin, jeudi. Yo te dressé barricade, boule caoutchouc, tiré en pile coup de zam, paralysé toute activité yo dans centre-ville. Protestateur yo longe dwet yo sous pouvoir en plaçant yo di ki deye invitation sa ke yo qualifié de persécution politique. Yo di y a prêté mobilisé jusqu'à 7 février 2021 pour forcer président Jovenel bay pouvoir. Yon idée. Nous dans la région d'Ian, on équipe fait on prend dans on a, li paye tout don yo net chaque mois. Jovenel pour encore Petro-Caribe, Jovenel pour encore des Malog, Jovenel, mande Jovenel s'il pas te prêter cop tout en na on a, côté cop ko on a. Ouais monsieur était con 3000 goutte ba li ba 30 moun ni. Oh, on citoyen qu'on se reprend, ou a discriminé persécution politique, exactly. Très bien. Et les autres persécution politique, persécution personnelle, avec c'est Yuri qui a mis tout dossier Jovenel le yo. C'est problème ça, monsieur Gen. Ligue problème, Yuri dit 4 là bas bon, 4 de malog yo, nous prenons la ria. Ça y dernier zel 4 Jovenel. Bagay. Nous même nous prenons la ria, c'est nous dans le rabot, c'est un groupe chien rage. Résultat Jovenel là, ba sénateur, faut tourner avec. Si pas tourner avec, n'a pas de béton pour juste aller juste 7 février. 2021. La boto kap grand moun. Et pas ça la boto kap bataille c'est gonave kap bataille entier. Bloqué. Fondi toute l'école dans centre-ville là, t'es cet obligé rester à porte fermée matin jeudi en. Nous t'ai remarqué ba copi DMO t'es dans la rue, mais yo pas de quoi encore gain contrôle situation en. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskea. Merci, et Jean Dola gagne une note pour la presse nous faire recevoir, direction générale unité lutte contre corruption ULCC,
qui dit li condamné à toute force li du feu et de manifestants qui trouvent devant local institution publique ça mettait dans deux machines et qui pour ULCC c'est un groupe manifestant qui réclamait de opposition politique là qui boule machine ça yo pendant y attendait ancien sénateur Youri La Tortue d'après sa note là écrit jeudi 13 d'août 2020 yo regrette tout le fait que yo fait un pile menace gravement grave en parlant de Montayo et yo dit un pile parole piment bouc et compte employé et direction générale ULCCA levé campé contre gens de comportement antisocial ça yo et li quoi gens de comportement de zak ça yo pas capable œuvre de citoyens qui partageait valeurs pour gagner une société démocratique avec un état de droit. C'est toujours direction ULCC qui a parlé, li fait toute population connaît et l'a continuer faire travail li sans prendre pression et aucune contrainte, enquête l'a mené, Jean que la loi bal droit pour faire ça et pour exercer avec toute force li, rigueur et détermination rôle police administration publique là que ULCC dans ça qui concernait et dossier ça et côté la baille vague dans ça qui concernait quel que soit tentative caponnage intimidation c'est toujours direction qui a parlé pendant li invité paquet Port-au-Prince non pour mettre action publique en mouvement et contre monde qui c'est l'auteur ou bien qui mettait ensemble co-auteur ou bien qui n'en confie l'eau pour zak ça te commettre et toujours selon direction ULCCA et toute complice et qui la cause zak sa fait côté boulet deux machines ULCC devant local il y a ULCC dit li ferme et li inébranlable n'a cité non mission ça qui déterminant crucial et qui se combattre corruption pour permettre gagner une société gain plus justice qui émerger en Haïti et c'est directeur général ULCCA Hans Jacques Ludwig Joseph, avocat, directeur général ULCC, qui s'y est communiqué ça. Il n'y a pas peut-être plus de détails, mais c'est concernant incident, il est condamné. Nous avons pour nous retourner à ce qui a passé dans ULCC, à quoi porter nous qui sous place, aussitôt gain évolution. Je que nous faisons pendant toute semaine, nous avons continué à hommage pour compère Philo qui quitte nous sans attendre. Et sous disparition compère Philo en pile monde exprimé yo même si vous pas attendez tout parler dans radio et gagnent qui en pile téléphone monde qui relève gagnent monde qui passait tout en pile monde prend gros saisissement n'attendez ancien secrétaire d'état touriste madame Maryse Pennette Keda qui était un ami qui était proche et Philo qui a dit émotion et l'elle apprend que le père du zamine. C'est un monde qui te gon qualité rare d'après ça fait connait, il te gon pile connaissance concernant culture pays d'Haïti. Philo c'était un monde qui était honnête en pile et il était toujours paré pour rider l'autre monde. Philo parti trois bonheurs d'après ça madame Pennette dit dans micro nous et il parlait tout de pays à li wè qui a dégringolé. N'attendez madame Maryse Pennette Keda, zami Philo dans micro Beethoven François Fils. C'est avec un pile émotion que m'a parlé de Anthony Pascal, compère Philo, mais c'est un honneur et plaisir côtoyer de près pendant de nombreuses années. Il a dit vraiment que Philo c'était une haïtienne qui était pire même. Départ Philo, qu'on est que j'ai un pile d'amis, nous avons un pile d'ailleurs demain, nous allons rencontrer pour une soirée très intime pour nous parler de Philo et pour nous parler de lui. Philo pour moi, c'était un monde qui te gagne de qualité qui est très, très rare de Jounabdoulaye. Sinon, c'était un monde qui te gagne pile d'humilité. Je crois que pour moi, c'est un potorique garçon qui te gagne bonne connaissance de culture haïtienne. Sinon, c'est un monde qui te gagne même monde. Sinon, c'était un monde plus honnête que nous côtoyer. Monsieur, malgré que tout le monde connaît que la situation économique Philo, c'est très difficile, même qu'a dit que Philo, malgré que son monde qui
qui te gen zami et moun ke te fréquenté dans tout milieu social en Haïti, qui n'ont pas jamais essayé d'utiliser pouvoir que te gen sou moun, parce que son moun que me considéré qui te gen gros pouvoir sou moun, et par rapport à toute qualité ça que te gen, qui n'ont pas fait comme sur la base de connaissances ou bien de influence politique. Quand je dis que depuis que tu l'as mouru, moi-même, et en plus dans un milieu vraiment une tête en bas, tu n'as pas de problème. Je me regarde les criages aujourd'hui. Sinon, c'était pratiquement un monde qui te fait l'unanimité. C'est-à-dire que c'est ton sage, et il te compte en plus sous lui pour que nous sommes capables. Garder ensemble qui genre des monde qui plus grand monde dans pays ça pas capable mais tout là à situation ça comme ouais Haïti a dégringolé gagne longtemps pays a dégringolé et là kounya mon croit que nous arrivé à un moment côté des monde sont pour philo pratiquement c'est une grosse partition que on t'a joué et quand Dieu bito ven son bail mon poko remettre moins de l'amour philo philo a prêté dans La place avec nous, tu vois, et très souvent, nous demandons de tête devant, surtout des bagailles qui passent récemment, après le départ, qui nous demandons, qui ça, Philo t'a dit? Philo, pratiquement, il était quoi dans la grande famille haïtienne? Moi-même, moi, quoi dans la grande famille haïtienne? C'est-à-dire que c'est pour tout le monde monter escalier. Même lorsque, pratiquement, il y a un pays pour créer opportunité pour tout haïtien. Et puis, nous n'avons jamais le même téléphone pour apprendre que lorsque nous parlons de Sylvie Lacaille, nous sommes invités pour ne pas parler de monde, de tel monde que c'est pour nous voyager, garder, parce que nous avons des problèmes d'école, quoi que ce soit haïtien qui est très brillant. Enfin, vraiment, je ne suis pas capable de toute journée à parler de prophète. Nous sommes très gros pères. Bagaille qui est très grave là, c'est que en Haïti, on connaît son pays côté mon mourir bonheur. Et nous sommes très inquiets. Pour la relève, puis l'on allait, qui aimait ton grand haïtien tout. Tout le monde y allait. Vos condoléances qui se avec tout le monde qui était mon copain philo. Voilà, c'est Maryse Pennette Keda, ancienne secrétaire d'État touriste, dans micro Beethoven François Fils. Notre bon ami philo, nous avons amitié avec là depuis 35 ans. C'est Monique Kleska, auteur, et depuis pays étranger côté lié, d'ailleurs, il écrit un texte pour te rendre philo hommage. Il parlait dans micro nous. Et il dit depuis 35 ans, l'a fréquenté philo. C'était bon ami, nous amis fidèles, qui toujours dit la vérité. D'après ça, Monique a précisé. Il dit, Philo, tout c'était un monde qui était grand pile générosité. Et il était qu'on allait avec plusieurs côtés dans toute la cour et qui gagnait dans le pays. Et il notait tout, Philo était gagnant en pile l'amour pour le pays d'Haïti. N'attendez Monique Kleska dans le micro Beethoven, François Fils. Amitié son bagage très cher pour moi. Et Philo, c'est un monde que me remet en pile et puis qui t'est un ami, l'aime un ami fidèle. Ça veut dire que son monde cap toujours dit la vérité. C'est pas un monde cap froissé avec vérité, mais son monde que en fin de compte cap toujours dit la vérité. Une de bagage que me toujours apprécié avec Philo, c'est générosité li. Parce que un bagage qu'on dit que c'est comme si Philo allait avec, mais c'est plus moi-même qui allais avec Philo. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que Philo, connaissance Philo gagne. Tout le monde que Philo connaît, s'il sentit que le caméléon, parce que c'est pas n'importe qui monde la mène, hein? Mais s'il sentit que le caméléon, le cafort confiance, à ce moment-là, Philo ouvrit monde que te gagne, hein? Li ouvrit monde, c'est comme si son carnet d'adresse que te gagne, et puis la ouvrit le baou avec générosité. Qui ça, pendant toute période, ça que t'es plus marqué, ou, en plus de générosité, monsieur, humilité, sagesse, pendant tout temps, t'es fait ou t'as côtoyé. Un mot que j'ai gagné pour Haïti, c'est pas un monde qui peut aller, c'est pas un écrivain qui a écrit sur Haïti, à la Emeline Michel qui a écrit chanter ou comprendre.
ça. Mais Haïti pilote remel profondément. Donc nous sommes parlé de question de vautour religion, Haïti religion moun, ou comprendre qui sorti en Afrique qui venait ici. Gon bagay que me parler de li souvle de graines pied bois, graines kayak, ou comprendre graines mapou, de manger paysan, de la cour de Albayen en rivière, marcher parler avec le paysan, c'est pas ça, comme sensibali, ça veut dire c'est pas tout le monde qui te préjugé, li ka apprendre de n'importe qui monde et la coûter n'importe qui monde et la faire ou même découvrir nos bagages tout de monde ça. Ça sont des bagages qui pour moi important dans l'amour que Philo te gagne pour Haïti de tout partout dans le pays. Mais Philo lui-même lui touche du doigt. C'est ton bagage charnel. L'amour que te gagne pour Haïti a que le senti dans poli, dans coli et lui te rive pour vivre lui. Ça, c'est des bagages que m'apprend en pile, en pile, en pile de lui-même. Voilà, témoignage Madame Monique Kleska. Avant ça, c'était Madame Maryse Pennet-Keda. Et dans le micro, Beethoven François Fils. Nous connaissons si Philo Terra di Jambé, dans sa son date qui n'a pas d'importance pour lui, tout le mois d'août. Et cérémonie, grosse cérémonie, bois caïman, et révolte générale esclavio. Dans sa, c'est dans le nord abjouen qu'on fait Philo. Eh bien, demain, c'est 14 d'août, 229e anniversaire Kokenshen cérémonie ça, 14 d'août 1791, qui pral l'ouvrir barrière et dans bataille esclave t'a mené pour prendre indépendance avec Bookman dans tête yo, côté plusieurs milliers esclaves t'es cémenté pour sortir en bas esclavage dans mes colons français. Et nous retournons sous Kokenshen date ça, ak président société haïtienne histoire géographie ak géologie professeur Pierre Buteau nan micro Beethoven François Fils n'ap tan de Pierre Bookman pour moi c'est plus gros figure historique qui gagne dans la révolution ça moi crois que compte tenu de contexte littéraire et Jean li projeté les lâche vin mouri trois bonheur au fait Livine perdu sous sorte à carrelé, impact li gagné sous mémoire Haïti et impact li gagné sous évolution historique haïtienne. Des cérémonies bois caïman ça, souvle, tout bagage était fin défini. Ou qu'on est dans le langage révolution classique, une révolution commence par une insurrection. Et une insurrection faut préparer. Par révolution française là, t'es préparé à la salle des jeux de paume. Il te préparait tout avec sorte à carrelé, toute littérature qui était inscrite dans l'encyclopédie. Diderot, avant le mourir en 1785, il dit, je sens que ça va arriver. Cérémonie bois caïman ça, Bookman t'es senti que bagarre là t'a privé. Et cérémonie ça a une fête. Qui gagne en pile controverse autour de lui. Mais, au fait, ça qui est important dans cérémonie ça, et c'est la révolution, toute révolution, et puis histoire, pays, tout fait dans paradoxe. C'est que cérémonie ça, li entouré de légendes, mais il y a une trace qui montrait que il y a une cohérence dans sorte à quelle existence. Et en plus, ça qui est intéressant, surtout dans cérémonie ça, c'est que c'est émergence en culture nationale et rencontre expression culture nationale, ça, émergence li, avec sorte à quelle l'instance politique. Et c'est peut-être ça. Et où est Mounio établi une différence entre les tous deux à la fois une cérémonie religieuse et un congrès politique. Mais ni plus une cérémonie religieuse que l'on congrès politique, mais son cérémonie religieuse qui aussi est d'une grande cause politique et une cause politique qui est bien importante. C'est révolution Saint-Domingue, non, c'est révolution haïtienne. Non. Oui. Alors, nous t'es capable de dire, le combat pour la liberté aura duré 13 ans, que aujourd'hui, dans Jean Haïti trouvé, dans ça n'a fait, dans Jean nous comporter, nous, dans la société, à où est-ce une espèce de banalisation de on sait des dates importantes. Et puis, nous pas jamais voulu marquer dans toute dimension. Donc, go, tonton, est venu. Vous permettez-moi une seconde, Beethoven. Je crois que société civile, là, dans sa partie la plus populaire, très sensible à question cérémonie bois caïman ça. Tandis que
espace étatique là, espace politique là, ont ils ont une relation ambiguë avec cérémonie ça. Et on voit que non beaucoup monde pas jamais cité dans l'état haïtien. Il pas cité sous Dessalines, il pas cité sous Christophe, il pas cité sous Pétion, c'est sous constitution parce que ou pas le grand problème cérémonie bois caïman. C'est vos doutes. Ou après, relation publique l'État haïtien, avec dirigeant l'État haïtien, pour le gars avec vos doutes, pour le montrer que c'est indice et signe qu'on oublie de la cérémonie du Pacaïma à travers les hautes instances de l'État. Ou après, par exemple, sous Constitution 1816, ils reconnaissent la liberté des cultes. Mais ils ont une priorité à la religion catholique. Dessalines admettent la liberté des cultes, mais ils pourront le combattre vos doutes avec une violence terrible, parce que politique économique li, t'es en contradiction avec pratique vaudoua. En fait, c'est ça le supposé. Et Pétion, même pour le vivre là, le gouvernement Pétion pour conduire contre vaudou. Et c'était un gouvernement libéral. Et puis, après ça, dans le 20e siècle, pour le gain de l'église catholique qui entraîne une véritable campagne rejetée contre vaudoua. Et moi, ici, ce qui dit, ou j'étais en bagarre dans Belle d'Odigne, tout y'a gain ogatoua des têtes carbone, mais y'a fait comme si y'a pas contre rien dans vaudou. Nous connaissons un rapport vraiment ambigu, société haïtienne dans gain, à question vaudoua, qui ont été classe libérée pendant le dernier temps, ça y'a, et ou moun ta filo, jouer un gros rôle dans libération ça et pas oublier tout nous rivé consacré dans constitution 1987 là mais bataille là dit plus longue que ça parce que dit très complexe nous t'attendez et président société haïtienne histoire géographie concernant date ça et demain n'a commémoré 229e anniversaire cérémonie bois caïman nous connaissons un parti fondamentaliste dans religion protestante qui ont même déjà profané plusieurs fois déjà et site bois caïman et pas reconnaître et ça que t'es fait là et pour eux même c'était Satan qui t'est rassemblé et juste ça n'a fond premier campé. Quel que l'on soit à côté, tout ça et tout qui a recevoir sous plateforme intelligent. Premier coup de pied d'actualité internationale là, tension a monté sérieusement dans l'Est et la mer Méditerranéen et côté c'est entre la Turquie et la Grèce, mais la Grèce fait partie de l'Union européenne, mais tension li plus paraît quoi là entre la France et Turquie. Et côté président Erdogan, pas mettre de l'eau dans la bouche pour attaquer président français Emmanuel Macron dans le dossier Liban. Président turc a accusé Emmanuel Macron, il dit son colonialiste et qui se comportement colon de gagné dans le dossier Liban après explosion. Et côté il dit c'est spectacle puisque tu as fait devant caméra télévision. Nous n'avons pas besoin de faire ça. D'après ça, Erdogan, qui sont musulmans et qui a laïté dans le monde musulman, déclaré. Dans le contexte côté tension a monté sérieusement en Ankara qui donc la Turquie et Paris qui donc la France et côté la Turquie et a fait face carré avec la Grèce et pour contrôler une zone dans la mer Méditerranée à côté a découvert un pile gaz ça les hydrocarbures et tension l'a monté sérieusement et plusieurs pays dans l'Union européenne non yo montré par rapport à la Turquie d'ailleurs qui était frappé porte plusieurs fois Union européenne ne pas quitter l'entrée parce que son pays musulman et son pays tout qui baille sur deux continents on partit en Asie on partit en Europe alors c'est en particulier la France et Nicolas Sarkozy de menon bataille contre ça et je ne je dis un rapport détérioré net entre la France et la Turquie particulièrement dans dernier jour ça yo surtout dans ça qui concerne zone est la mer Méditerranée et conflit ça qui pétait vin faire découvrir son zone qui riche dans hydrocarbures et que Turquie avec et la Grèce yon ap goumen pou li chaque ap di c'est pour yo li faut que nous dit dossier Turquie avec la Grèce non son gros dossier li gen question ship la donne et ship gen un parti qui pour la Grèce un parti qui pour Turquie et gouvernement dans Athènes dans pays la Grèce qui fait partie de l'Union européenne accusé pays Turquie qui fait partie de l'OTAN, organisation traité Atlantique Nord, d'après avoir fait de recherche dans question énergétique qui illégale dans la mer Méditerranée. Bon côté parle la France qui dénonce action Turquie a peine pour contenir dans recherche ça yo annoncé li déplotonner pour un temps deux bateaux la guerre avec deux avions la guerre dans zone et ça qui fait la Turquie et nous capable dit et classe politique la Turquie
et presse qui sous contrôle gouvernement turc là tout levé campé contre la France et pour le gouvernement français a, la Turquie pas respecté droit international. Le fait que dans dernière année ça a découvert qu'on paquet richesse gaz et hydrocarbures dans zone ça dans zone est la même méditerranéen vient l'ouvrir appétit chaque pays qui bolan mais ça chaque dit c'est pour yo lié et ça vient mettre tension particulièrement en Turquie avec la Grèce deux pays voisins qui gagnent relation tout temps ces crises. La Grèce accuse Turquie d'après avoir la violé territoire tension quoi lié là et pour plus fort c'est à cause de problèmes qui gagnent en Turquie avec la Grèce concernant délimitation frontière yo dans la mer et côté gen pile goumen fait déjà pendant dernière année année sa yo entre deux membres sa yo qui tous les deux membres organisation traité Atlantique Nord l'OTAN Athènes qui donc accusé Ankara la Turquie d'après avoir la violé territoire là l'a fait des recherches dans question énergie dans sud îles grecques il y aurait les Castelorizo et mais la Turquie relait la maïs dans langue pali mais il disait pour l'ilier la Turquie refusait pour admettre petit bout de terre ça qui chita dans une zone et côté semblait richesse gaz là hier pas pour lui donc il revendiquait souveraineté maritime ni sous île ça et libal non pal et qui à 2 km côte turque et qui à 580 km côte le même pays la Grèce et Grèce métropolitaine et donc c'est bataille ça cap mené Recep Tayyip Erdogan qui dit même c'est dolage n'est pas peur et ce qui est boire le pape chaleur il est capable de gouverner tout le monde d'ailleurs de gouverner Angela Merkel faut que nous dit la Turquie a un rapport très spécial avec pays Allemagne parce que c'est là où il y a plus gros diaspora et il déclarait que après le parler dans la journée avec chancelière allemande Angela Merkel et avec président du Conseil européen Belge Charles Michel pour tenter ouais ce cap blaguer de l'eau sous tension ça qui a monté dans la mer Méditerranée dans zone est solution dans la mer Méditerranée orientale là c'est dialogue et négociation qui pourrait résoudre c'est ça président turc là après le fin attaqué président français a déclaré il fait connaître cependant yo même yo pas quitter aucun pays vient retirer droit dans main mais il y a un problème toujours avec la Turquie qui déployer quoi là dans pays Libye relation entre Grèce et Turquie et c'est tout temps gain rebondissement là-dedans tout temps tension à monter question Chypre n'ont pas jamais réglé et deux pays ça a goumé depuis plus que 40 ans et même j'en tout gain l'autre îles tout près la Turquie yo chaque revendique c'est pour yo lié c'est gain souveraineté sous lit et c'est une guerre frette nous ça plusieurs côtés qu'on est là en Asie tout même situation ça déplotonner mais Emmanuel Macron pas tant conflit avec la Grèce non pour te frapper pied à terre concernant pays Turquie qui t'a pral monté tension entre la France et Turquie depuis le mois de juin c'est dossier Libye et qui fait que deux pays une monstre par rapport à l'autre et Emmanuel Macron accusé Recep Tayyip Erdogan d'après avoir une responsabilité historique et criminelle dans ce qui a passé dans pays Libye des paroles qui très dures et un membre l'OTAN qui a parlé en l'autre membre l'OTAN qui supposait deux alliés et nous non moment qui nécessaire pour nous clarifier politique la Turquie a peine dans pays Libye et qui inacceptable pour nous mêmes français et sa chef l'état français a été déclaré il fait connait que c'est Turquie qui a fait des ordres et dans ça qui concernait dossier libyen et il pas respecté aucun engagement dans ça qui concernait conférence Berlin sous dossier ça. Voilà, Libye, tout nous connaît la France historiquement joue un rôle. Et puisque c'était Sarkozy, nous connecter mandé et président américain d'Atsa Barack Obama pour aller avec elle, pour à l'entrée dans ce qui a passé dans le pays Libye, pour te mettre deux Muammar Kadhafi finalement, qui a fini assassiné. Et ça passait sous connu lettre, vous voyez, dans la poste. Et côté régime Kadhafien qui était censé un bouclier et pour l'Europe dans ça qui concernait tout immigrant qui a sorti tout côté qui a venu en Libye pour jambé en Italie ou bien jambé dans l'autre bout qui puis près l'Afrique pour Gibraltar pour jambé aller dans pays Espagne et bien depuis Kadhafi tombé
et li mouri l'assassiné dans condition qu'on est pas en mandat de justice pour lui d'ailleurs et pays a fond miette pour ça et depuis date ça tout li vin tourner yo cancer dans ça qui concernait réfugiés qui sorti tout partout surtout continent africain mais tout moyen proche orient qui vient monter tant là pour jambé puis à Lampedusa dans pays Italie et côté tout son l'enfer sous la terre et Libya tourner pour réfugiés yo côté exploité yo sous tout plan l'agent sexuel et côté torturé yo une situation terrible qui pas une solution jusqu'à présent n'a pas venu la caille pas nous dans Balatibonite là plusieurs jeunes garçons te bloqué route nationale numéro 1 bloc Carrefour madame Sainta et je dis pour porter solidarité yo by ancien président sénat sénateur Yuri la tortue et puis exiger l'état réparer route madame Sainta yo dit depuis la pluie tombée qui n'est en bas de l'eau protestataire yo dit yo pas prendre menti encore dans main pouvoir tête caléa et menacer pour prendre la rue demain pour continuer mouvement 1100 madeis pour plus de détails route nationale numéro 1 bloqué totalement au niveau Carrefour madame Sainta zone Fresino dans entrée site villa à plusieurs camions qui croisaient puis plate caoutchouc yo yon premier groupe jeune garçon dit yo vle protester pour yo bay ancien sénateur Yuri la tortue yon deuxième groupe garçon habillé à gorad cagoule en tête yo habillé tant kou ninja dit yo bloqué route là comme moun k'ap viv nan Carrefour madame Sainta yo bouke pran menti nan men autorité yo n'importe si la pluie qui tombe, il est inondé. Si on même va prendre une décision qui normal pour la population de Madame Sainta, et bien un jour qu'a vini, bagaille a pire. Donc on nous camper là comme si nek ça pour figi moun, comme si moun qui va dans l'école là gène là ya. Mais ça me dit, ça fait là son jet la faire avec aujourd'hui là. Bagaille qui va gagner demain là, il va comprendre même parce que nous même gens nous camper là ya là, avec bagaille l'école pendant nous grand goût, nek gè petit nek pa avoir ti moun l'école, nous va manger. Nous avons des bagages qui sont là. Nous chaque droit de descendre dans le cas de la et tu es presque si nous prenons tout le matériel pour aller. Ça veut dire que nous sommes là, ça ne fait pas la machine n'est pas passée dans la zone même. Quand la machine n'est pas passée dans la zone, toute machine n'est pas passée dans la zone, nous voulons, nous voulons. Malgré la présence d'Idmo, tirer en pile cartouche, débloquer la route là, pas de facile. Et les gens qui bloquent, aller à clé camion. Pendant que déjà annoncé, demain, il y a un pire-red. Balatibonite Semak, 1100 Madeus, qu'est-ce qu'il y a? Nous parlons dans le sud-est, la police de Jacques Mel, hier, a arrêté un certain départ Eddy Junior, qui est suspect d'un crime terrible qui fait dans Jacques Mel sous Madame Roland Zeni, qui a été assassiné en 31 juillet pour l'ouvrir 1er d'août la CAIDI. Et dans le cadre d'enquête, la police a mené. Et déjà, il y a Théodore Wilfried et Dieu Saint-Phénix qui nomme la police. D'après sa correspondance, nous, jeudi, nous nous faisons connaître. Guetta Eddy Junior, c'est une nouvelle interpellation que la police nationale, l'Angers-Mel, fait hier, mercredi 12 août 2020, dans le cadre de la mort de Mme Roland Zeni, qui est famille de jeunes mourir de la CAIDI, dans la rue Marché-Geffroy. Incident s'est arrivé le 31 juillet 2020 pour l'ouvrir 1er août 2020. On a rappelé la police nationale là, particulièrement service police judiciaire, déjà Guillaume Théodore Wilfried du Saint-Phénix, 46 années, comme monde qui a suspect que la mort ancien directrice du CC La Mort, Madame Roland Zeni, qui est fini à lui chanter samedi 15 août 2020, en salle polyvalente du Saint-Germain. Nous avons remarqué Madame Roland Zeni mourir à 80 de l'année, quand elle est à ville pour accomplir son propre business. Jacmel, Jérémy Munoz, qu'est-ce qu'il y a? Tout encore dans le haut à Tibonite, la police nationale a présenté bilan opération. Il était mené dans le département, sorti 4 pour arriver 12 d'août. C'est ça, dans la conférence pour la presse hier. Porte-parole police dans le département, inspecteur Dieudonné François, et fait connaître, il dit la police, arrivé à arrêter environ 7 mounes. La justice était déjà tendée pour Mounsayo dans le cadre d'enquête cap mené sous Zakyo. José Jean-Baptiste pour plus de détails. Environ 7 moun joine arrestation yo dans département la Tibonite soti 4 pour rive 12 d'août 2021 sin ta vle kwè déclaration porte-parole police départementale lan nan yon point de presse après-midi mercredi 12 août sa inspecteur Dieudonné François précisé c'est dans différents coups de filet agent PNH chauffeur dans diverses communes département qui yo rive appréhender moun sa yo ki gen non yo cité dans divers actes malhonnêtes.
La justice dans la région déjà attendait individu sa yo pour suite légale. Inspecteur Dieudonné François, c'est porte-parole police la Tibonite l'a porté plus précision. Nous venons d'abord dans mardi qui était 4 août, pendant la police a fait un checkpoint dans la zone Lister, la police a arrêté deux individus. C'est Jean-Pierre Fritz, 41 ans, et puis Jameson Jean-Baptiste, alias Tissatan, qui a 26 ans, qui est attaché avec gang Timépria. En possession, ils ont pistolet Taurus de Macté FX 45349. Zam ça, c'est Zam, yon inspecteur de police, Jacqueline Vénéan, 26 ans, et puis Watson Elibris, qui gagne 37 ans. Nèg sa yo, c'est deux nèg population accusé yo comme nèg qui s'est éclairé cap veiller axe tronçon de Kafou Perlan de façon pour monsieur Bas Grand Griffio nous connaissons Audemars cap diriger en dedans ça vient ta capable connait qui le gagne moyen pour capable sortir venir coopérer sous axe route nationale numéro 1. Gagne Bernard Stevenson âgé de 29 ans. La police a arrêté monsieur jeudi c'est 12 août après enquête perquisition la police a arrêté deux autres monde encore gagne Steven Sia Bijou 19 ans qui c'est madame Cispea et gagne tout Anna Louise Amizial 43 ans qui ont été dans même espace ça que la police vient avec lui tout porte-parole police là continue à demander collaboration population pour aider force de l'audio mettez main dans pas de cassave tout à tout fait sans foi ni loi cap si mais panique dans région la Tibonite là Gonaïve José Jean-Baptiste Kiskea. Merci n'a pas entré dans Port-au-Prince côté gagné deux dans monde la police arrêté et gang 400 marozoa et avocat avec monde qui proche une là dedans qui vient faire connaître monsieur Patayon bandi Juan Augusto Pacando Duquen la police arrêté le jour qui 11 d'août là ensemble avec Iso un chef gang 400 marozoa qui a opéré sur route internationale qui mène dans frontière Haïti à République Dominicaine non Patayon bandi Jean la police veut faire quoi là selon une avocat qui se met Jean Bernard Lanoise d'ailleurs rencontré la presse sous ça je dis Juan Augusto Pacando Duquen d'après ça vous fait connaître c'est un citoyen paisible qui est président jeunesse dans l'église de Dieu dans localité Brune il était sorti kay fiancé il gagne pour le marier avec l'avant longtemps qui c'est Juvena Désiré et puis il était prend une moto pour aller la Kayli dans Micho et c'est dans route Iso prend moto a qui t'apprend faire face carré avec la police qui arrêté eux ensemble avec chef et gang 400 marozoa d'après ça avocat dit pour défendre citoyen ça Juan Augusto et Pacando Duquen après pour le marier 20 août ça même toujours selon avocat et d'après maître Jean Bernard Lanoise qui montrait tout papier qui prouvait ça le dit devant la presse monsieur Duquen c'est un étudiant qui a préparé mémoire dans faculté de droit Gonaïve d'après ça le rapport pour le dit n'attendez avocat maître Jean Bernard Lanoise et qui t'est parlé comme ça dans conférence pour la presse côté Amos Breville t'es présent pour Radio Kiskeya. Il y a un citoyen qui c'est Juan Augusto Pacando Duquen, il y a un autre monsieur dénommé Iso qui arrêté dans coup de filet. Nous félicitons la police pour vigilance qui a travaillé pour traquer tout le monde qui a troublé l'ordre public là en particulier dans la juridiction à Bouké. Lors de arrestation arrestation citoyen qui tellement préoccupé nous que nous autres après arrestation ça porte-parole la police a été intervenu pour te parler de deux puissants gangs dans 400 marozoa que yo grand et en pile image a circulé sur les réseaux sociaux yo posto Pacanto du Kens monsieur lui-même c'est un paisible citoyen qui trouvait lui dans commune Gatier c'est un leader c'est président jeunesse église de Dieu de la prophétie de Moine. Alors l'ité yo t'ai arrêté ensemble avec c'est pendant que le la Cali monsieur c'est un qui tout route pour la marier le 20 de ce mois mais fiancé qui a côté pendant que rivé la fiancé il était aux environs de 8 heures les pour qu'on une machine n'a campé fini par prendre une moto ça il une moto ça l'est que l'ité gay dans l'heure où ça te joindre qui l'est que lui même l'ité gay l'ité aux environs de 8 heures et demi pour la 9 heures c'est dans le moment si là que fiancé là avec lui il aurait été mon doigt. Le retenu mon doigt, il a discuté sur le prix.
motoa sur une somme de 100 gouttes, il décide de prendre pour déposer le Michaud. Mais c'était dans la tremblée 9. Et que monsieur ça qui t'a produit motoa prend l'élevé plus bas dans la tremblée 5. Bon, pour la gasoline, chauffeur motoa prend un deuxième bar passager. C'est mon bar là, qui est plus bas. Et que citoyen Wanakobo Augusto Dukens, lui-même, il trouve dans la mi-temps privé, puis devant, suivant ça que lui dit nous, lorsque lui ouais, il y a une lumière machine pareil, c'est un moment ça va être devant la boue portant, et que monsieur Soumotoa a plongé pour le filet pour l'aller. Il y a l'autre côté que la police tire, chauffeur atteint, et que yo deux a yo menotéo et leur salaire de CPJ, il connaît que yo arrive. Et c'est là ça que Libral connaît que monsieur Tedel là, c'est à Iso, Yonan et puissant chef gang qui est dans 400 marozois, suivant ça que porte-parole et la police là est à fait connaître. Monsieur, c'est un étudiant finissant mon statut mémorant dans l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïve. Nous avons une pièce sur là. Et que revenu notre quatrième année, c'est lui-même qui fait mention que monsieur lui-même lui a admis pour présenter une mémoire de sortie. Nous sommes là, pasteur, l'église de Dieu, la voici de Bonne là, évangéliste sur là, et tout diacre là, et un paquet de l'autre, pour un fiancé, toute jeunesse là. Nous avons tout document là que lui fait recevoir transfert à Poli de la part de Saint-Emel Jacquet. Monsieur Banabagay ça du tout, monsieur c'est un leader, l'église lui un groupe jeunesse et un groupe jeune qui se compte lui, près de 300 jeunes, ils sont là, ils ont un uniforme, ils sont présentés là, et que fiancé le bon côté moi, monsieur c'est un monde que son citoyen paisible, c'est un enseignant, et que monsieur tout, c'est Youn tout. Qui c'est un étudiant à l'Institut universitaire des sciences de l'éducation, mais attestation, c'est un cap travail dans la commune Gantier pour aider les jeunes à aller de l'avant. Donc c'est avocat Juan Augusto Pacando Duquesne qui parle comme ça. C'est très embarrassant pour la police. Si tout ça veut dire c'est réalité, la police t'en gagne pour devoir, pour la mener enquête, pour essayer pas non à l'image. Et bon, comme tu as vu les filets pour prendre poisson, semble yo prend youn nan et en même gang nan effectivement Isoa, mais est-ce que Juan Augusto Pacando Duquesne c'est même gang nan? Faut que la police éclaircisse ça plus rapidement possible. Et fiancé à Juan Augusto Duquesne et Juvena Désiré, il était bon table conférence pour la presse bon côté avocat. Il y a avec les plusieurs dizaines mesdames et garçons qui sortent dans l'église de Dieu Bruine, qui viennent supporter pour prouver innocence fiancée et qui était contre travail comme animateur de émission musique évangélique dans la radio Voix de l'Évangile. D'après ça, il précisé. Juvena Désiré déclaré, yo reconnaître zone côté Oyea et côté Oretea, gen bandi qui a opéré dans zone là. Mais il dit fiancé pas bandi. Et lui mandé libération pressé fiancé le gain pour marier le 20 et pendant le mandé la police continuer fait travailler contre bandi dans zone n'a tande Juvena Désiré ensemble avec un frère Juan Ose Duquesne alors son frère et fiancé là et toujours dans conférence pour la presse tant côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. C'est Juvena Désiré. Moi, habité la Tremblay 9. Mardi, qui était 11 août, vers midi, lorsque Pacando Augusto Duquesne s'abrit en Coblan. Vers midi, moi, rejoignis. Et en sortant dans le marché, quoi des bouquets, nous passons beaucoup de gens, monsieur qui est Emile, qui compte coude, qui acheté le taché costume dans tout. Ça quitte le pantalon en amel et costume là. Dans la valise. Là, nous rentrons dans la caille, nous avons une tête pour nous aller bon côté de boss pour faire trois portes pour nous parce que nous avons un business. Nous sommes sous la rue, pas de machine sous route là, pas de moto sous route là, moto qui est habitué à faire circuit pour la caille, pas de moto qui donc nous sommes en moto à passer. La moto à passer, à nous les motos. Moto à côté, juste deux. C'est nous-mêmes qui courons à jouer moto. Quand nous parlons, nous dit Michaud, nous dit combien de monde qui peut aller. Et ménagement dit lui-même seulement qui peut aller. Et ménagement dit combien de fois pour me battre. Il dit montez.
Menajman di, konbye kop pou mba ou pwase ke mba vle lèm ni van ba pou mal nan diskusyon avou. Mi di a, mi di monte. De bo mnen la ou ya la, e chèche map chèche. Mi di a, patan, ba mwen sa vole lè. Yon fason pou lka atende, konbye kop yap bali, sil pap da kol, pou lka di kop sa, li pap da kol. E pi li di, an ali, patan monte, e pi ya, nan demen si devè, montre de jounal la, ke yo arete de moun sa yo, pwase ke la polis di menm ni ta fè drap. Nou mèm, sa mka di de croyants, nous levons ensemble, nous passons tout ensemble. Nous, c'est étudiants, monsieur, c'est en mémoriant. Les finis étudiants dans l'école de droit de Gonaïves, les fait en carrière pour dans la question et journaliste dans la radio Voix de l'Évangile. De là, il y a plusieurs confrères qui pourraient pour côté support, à savoir monsieur Herbie Chéroudin et Ben Solito, et vous prêtez pour le côté support. Monsieur, c'est un soir impaisible, laissé en frère chrétien, laissé responsable de l'association jeunesse, l'église et de Dieu de la prophétie, laissé musicien tout. Moi-même, moi, c'est musicien tout. Je 38, Coblan, qui n'a maintenant, nous gagnons tout. Reçu côté comme dans sortie. Ils ont mis en place l'autre individu. Je ne sais pas si c'est mon talent, si c'est chauffeur mouton ou si c'est monsieur Iso. Iso, je ne sais pas si c'est mon talent, mais il n'y a pas de talent lui-même. Voilà, conférence pour la presse qui baille. Je dis à avocat et fiancé. Ensemble avec frère Ron Augusto Pacando Duquesne, la police présentée comme Youn et un chef gang 400 Marozo li arrêté ensemble avec certains Iso et je fais connait gen Youn là-dedans yo qui mourit dans cadre d'opération la police t'a mené dans zone ça et yo parlé de chef gang nan comme Youn gang et alors que généralement un gang c'est un chef communautaire c'est un monde fait confiance l'aime tendre un gang qui chef gang dans son bail qui peut faire trembler parce que un gang son monde il fait confiance même genre un pasteur même genre à qui un prêtre et ça montre faut grand pile prudence parce que en même temps tout nous connaît famille ou pas bien nos famille qui vient dit mal de famine pas bien nos monde qui proche de au monde qui vient dit mal mais nous connaît tout et situation tellement dégradée au point de vue moralité en Haïti, il y a des gens tout qui paraissent très monde de bien, qui gagnent de bail à faire correct et pourtant il y a l'autre trou dans manche, il doit faire l'autre bagaille. La police n'est pas là pour faire injustice parce que nous connaissons comme pile arrimage, il y a des arrêter monde même des monde pas qui victime de arrimage dans la police. Et mais faut que rapidement faire clarté sur ça parce que par exemple qui plus grave pour t'apprend innocent yo avilil et puis yo mette dans prison pour yon zak li pa fait et zak li fait yo accusé là c'est des actes abominables tout un petit bébé 4 mois ça pa pareil pareil devant un petit bébé qui perdu la ville en bas parmi toute l'autre pour nous touyer parmi toute l'autre zak yo fait mais ça lui même son bail qui révolte la conscience humaine son crime contre l'humanité que lié donc faut que la police dans rapidement avec honnêteté penchée sur dossier ça parce que si c'est vrai et oui, monsieur, il pour le payer. Mais si ce n'est pas vrai tout, c'est très grave. Et que yo avilil non dossier que le papa gagne rien pour lui. Nous n'avons pas qu'à dire ni c'est vrai, ni c'est pas vrai. Ça nous demande, c'est justice nous demande pour petit bébé. Ya. Justice nous demande pour tout le monde qui est victime en bas d'un gang. Yo. Quel que l'on soit côté ou attaqué. Et nous connaissons tout. C'est assassinat terrible ça, yo, qui bouleverse le monde entier, qui fait finalement. Et gros pays qui a soutenu Jovenel Moïse au pouvoir obligé foure boucher pour dire et c'est trop à tort à question gang non et comme ça nous institution mondiale que Haïti c'est même fondateur Nations Unies qui vient en Haïti le virer d'eau par peuple haïtien et finalement nous hier paraît un communiqué pour dire que faut que arrêter chef gang faut que mettre point final dans ça mais ça seulement pas suffisant et c'est comme ça tout nous ouais te gain la France ambassadeur là et qui te dénoncé question gang yo c'est pas suffisant même si yo dit ça c'est très bien ni ambassadrice américaine non ni ambassadrice Nations Unies ni ambassadeur pays la France non mais pays a tout les paroles parle pour dire pas oublier gouvernement pas envoyer condoléances by famille ti bébé ça yo by famille femme enceinte qui mouri en bas âme assassin chef gang mais en plus de ça si nous retirer quelques organisations qui défendent droit monde quelques médias, quelques citoyens qui prennent courage à demain, nous capables de payer à lui-même, de camper dans un silence complice, lâcheté par rapport à la situation. Ça. C'est des situations qui ont provoqué de masse, des millions de gens dans la rue. On ne peut pas vivre dans le pays, il y a tué petit bébé, il y a tué monde qui rend société à service.
tant qu'on va dans Zeni qui fait 60 ans comme professeur l'a enseigné et puis pour payer arrêter sous bloc glace li. C'est pas possible. On allé dans pays États-Unis quoi là côté nous connaît Donio changer bien que parlo de éditorial et journal de droite Le Figaro en France. Contrairement à Libération et à Le Monde, qui croit que c'est un moment historique États-Unis à vivre, puisque pour la première fois dans l'histoire, une femme noire, ça fait troisième femme, mais une femme noire, c'est pour la première fois ça fait. Femme, ça a tous les grandes premières, il était une première et procureur de tout État californien. Si Californie était un pays, il était la cinquième puissance mondiale. Et Kamala Harris. Le Figaro, lui-même, mettre un petit bémol et il fait qu'on est en définitive 3 novembre ça peut passer dans pays États-Unis c'est Trump face à Trump parce que pour lui-même vice-président pas changer rien Biden dit une situation très spéciale il pas dit que Biden pas passer mais il dit que c'est moun qui toutes les passions qu'a affronter passion elle dit moun qui pas veut être pour yo déterminé pour déchouquer et moun qui a défendre trop yo déterminé pour trop rester finalement c'est pas Trump contre Trump 3 novembre qui a venu là, selon gros journal français, tendance droite, Le Figaro. On a regardé qui j'en saillait aux États-Unis, même dans la première présentation, et ancien vice-président Joe Biden fait de candidat lien qui sous ticket ensemble avec lui, Colistiania, pour place vice-président. Et pour le présenter pour la première fois comme Colistia, ça veut dire monde qui sous ticket ensemble avec lui pour place vice-président. Il va présenter le baron full monde parce que ça le côté t'a fait la cause de coronavirus n'a pas de grand pile monde la donne mais c'est de préférence devant média pour bail opinion publique américaine n'en présenter le peuple américain. Joe Biden, candidat démocrate pour Maison Blanche, il était passé 8 ans et comme vice-président Barack Obama, il est vice-président premier président noir dans l'histoire pays États-Unis, c'est tout un symbole, il choisi pour te faire activité ça à la caille dans Delaware. Et comme ça, vice-président Barack Obama, il a fait un meeting ensemble avec Kamala Harris dans Wilmington, dans Delaware, et il était représenté pendant 36 ans dans le Parlement américain, et quand il était sénateur. Après que il finit expliquer raison qui fait que il choisit ancien procureur général californien, et qui quoi il est actuelle sénatrice, même état sa Californie, dans le Sénat américain, Joe Biden, c'est ça l'oublier le pas dit, Donald Trump, il montre le pape Trump. Donald Trump et pas chercher l'autre bagaille que mettait l'huile sous du feu et chercher pour diviser plus encore peuple américain à discours raciste et côté la sortie pour provoquer division de sa candidat démocrate là déclaré. Et il dénonçait tout façon Donald Trump gérer son véritable catastrophe épidémie Covid-19 là jusqu'à présent États-Unis pourquoi j'aime moins bout épidémie ça et qui tout marché avec une crise économique d'après ça Joe Biden dénoncé dans l'occasion premier meeting ça avec Kamala Harris. Après ça sénatrice là prend la parole, il fait connaître l'Amérique, c'est comme ça l'Amérique représente pays yo, donc États-Unis, lui jodi a besoin d'un dirigeant d'après ça le fait connaître. Et pourtant, nous gros président, seul bagage qui intéressant c'est propre tête lui. Li bay vague dans ça qui concerne monde qui t'ai voté pour lui. Et jodi a nous examen conscience nous même peuple américain par rapport à racisme, par rapport à injustice généralisée gen dans pays nous, d'après ça Kamala Harris déclaré. Et il dénonçait politique trop pas mené dans tel pays États-Unis côté le faire hyperpuissance parmi pays qui plus développé, c'est lui même qui dans situation qui plus catastrophique dans question coronavirus, il dit c'est une honte. Et en même temps il fait connait que monsieur Soti pour le faire États-Unis fait bec à terre. Mais il dit que yo là et l'elle apprend que yo nomme Kamala Harris, il y a des spécialistes parce que qui dit yo quoi je t'ont dit en déstabiliser elle pendant elle dans conférence pour la presse, président américain Donald Trump il pas manqué immédiatement. Il fait connaître ce candidat qui plus méchant là, ça plus terrible, ça plus méprisant là, c'est lui-même Joe Biden choisi et il dit dans le Sénat c'est plus mauvais monde qui gagne c'est Kamala Harris. Selon le président américain. Mais pensez que il pral échouer d'après ça, il promet ton cap parler comme ça et il va poursuivre attaquer mademoiselle encore hier dans ça qui concerne équipe qui avec le président Trump pour réélu ouais dans Kamala Harris et c'est une imposture
et mademoiselle il fait partie de gauche radicale là où ça c'est plus gros jouement le cabaou et communiste bah ça dans pays États-Unis Joe Biden est passé président américain en bêtise il dit toujours pleurniché il dit est-ce que ça a étonné un monde que Donald Trump ait un problème avec une femme solide une femme et tout bon et bien de façon toute femme qui pas quitter monde marcher sous deux pieds yo est-ce que Donald Trump pas un problème avec yo c'est question ça candidat démocrate m'a posé une lecture haïtienne de candidature ça professeur politologue Mozart de Honnête considéré nomination sénatrice noire Kamala Harris a porté un paquet avantages pour candidat Joe Biden dans course pour place président dans élection 3 novembre yo. Dans l'interview de Radio Kiskeya, professeur De Honnête estimé choix ça vraiment important pour candidat démocrate là, Joe Biden. Professeur De Honnête était quoi, li pas facile pour candidat à la présidence parti républicain Donald Trump rivé joine et trou, rivé joine faille dans parcours académique avec politique sénatrice noire Kamala Harris qui c'est un mélange même genre avec Obama, li c'est petite yon indienne avec yon jamaïcain. Et donc il fait partie de ça les rêves américains. Cependant, ça pas empêché d'après ça le dit, président Donald Trump essayer faire toute qualité attaque contre ancienne procureur général californien. N'attendez professeur Mozart de Honnête pour interprétation de nomination ça, dans micro Vladimir Morissidoy. Son choix de prudence et dans la mesure où Joe Biden, potentiel candidat démocrate pour l'élection présidentielle 3 novembre, a choisi un junior sénateur, le sénatrice Kamala Harris, ça veut dire que c'est un ancien procureur de la Californie. Donc, on ne monte pas nouvelle sous cette politique-là, qui compte ça, les logiques de mener campagne. Donc, son connu, c'est-à-dire son valeur connue de la scène politique nationale des États-Unis. Nomination sénatrice noire, Kamala Harris. Qui ça selon même quoi la portée dans candidature Joe Biden capable de revivre grande coalition que Obama a fait et permettre le président des États-Unis et réélu très facilement sous sénateur McCain. Il y en a des coalitions tout avec mouvement Black Lives Matter. Pour Obama devenir président, c'est une coalition de toute minorité, que c'est asiatique, que c'est caribéen, que c'est noir et sorti en Afrique, ensuite que c'est toute minorité. Maintenant, il était en pile femme avec lui et il espère tout comme d'adou les femmes qui habitent dans son bébé, aux États-Unis capable de rejoindre parce que c'est une force que Kamala Harris a gagné en tant que candidate à la présidence. Même lorsque le candidat n'ayant pas fait long feu parce qu'elle était désistée à cause du manque de moyens qu'elle était gagné avant même que le vote ait commencé. Mais c'est un monde qui connaît cette politique-là, un monde qui a débattu. Ouais, dans la présentation que Joe Biden fait de l'IEL, comme un tambour battant à l'attaque de Donald Trump pour incompétence et manque de gestion de la pandémie coronavirus. Son choix historique, historique dans le sens que c'est la première femme noire d'origine asiatique d'une part et d'origine bon côté mamani et d'origine caribéenne jamaïcaine bon côté papali et en femme qui a été choisie comme candidate déjà pour vice-président premièrement c'était Géraldine Ferraro avec candidat Walter Mondale ensuite avec candidat Sarah Palin qui a été choisie bon côté républicain on dit que son balance au niveau régional parce que le candidat Joe Biden est originaire de Delaware c'est dans le côté des États-Unis alors que Kamala Harris est de l'autre côté de l'ouest de la Californie, donc son balance régionale entre l'Est et l'Ouest des États-Unis. Qui stratégie Donald Trump a mettait en place par rapport à un choix comme ça, lui-même pour arriver et remporter l'élection présidentielle américaine? Jusque la stratégie que l'employeur à côté Donald Trump lui-même lui dit que Joe Biden n'a pas supposé choisir sénatrice Kamala Harris parce que sénatrice Kamala Harris attaqué directement nos débats côté que à cause de Joe Biden te mettait un programme de bus dans l'école de la Californie, t'as tout capable de faire boomerang et pour Donald Trump, t'as montré tout que Joe Biden a un caractère côté capable de choisir un monde même lorsque tu es attaqué, c'était deux candidats qui étaient dans le débat, mais il est capable de reconnaître dans nos compétences, il est capable de reconnaître valeur, il est capable de reconnaître force et natal, donc il n'est pas tenu compte le fait que tu es attaqué parce que c'est la compétition que tu es. Il n'y a pas grand pile bagage que le Parti républicain a reproché Kamala Harris. Bien entendu, il a laissé voyer de l'eau sale sur lui. Il a dit que, premièrement, ses ambitions, c'est pour le cas d'un président des États-Unis. Il a dit que peut-être qu'il
très arrogante. Pas oublier que son ancien procureur, c'est normal que pour l'arrogance, c'est normal pour l'attaquer. Donc, il n'y a pas gagné point et jusqu'à présent, nous ne pouvons attendre aucune attaque d'Acadie de parti républicain qui est capable de faire poids pour attaquer M'Dakadio Kamala Harris. Mis à part l'attaque raciste voilée, Kamala Harris, c'est une meilleure femme, pour ne pas dire meilleure américaine, c'est-à-dire plus compétente de la société des États-Unis. Donc, une femme qui est très méticuleuse, consacrée à vie féminine, à petite Lee et à Marie Lee, et malgré elle, c'est sénatrice des États-Unis, qui c'est une haute personnalité, donc c'est lui-même qui fait manger chaque dimanche pour Femini. Donc, son femme, Dakadou, qui est très difficile pour rejoindre Dakadou des failles dans le dossier, ou bien pour rejoindre le squelette dans l'armoire. Voilà, c'est professeur Mozart de Honnête. Bien que Kamala Harris épouse cause afro-américain, mais lui-même est parent, maman n'a pas parlé, c'est de professeur dans l'université qui fait des études supérieures. Donc, il n'est pas jamais vraiment dans la situation et monde qui a vivre de aide sociale. Quoi, en pile, monde dans la communauté afro-américaine n'a trouvé dans la situation ça. Mais et bon, c'est même situation de dit, il présenté un Obama 2.0 avec multiracial, ou qu'on est maman c'est indienne qui sorti en Inde et papa sorti Jamaïque, réaction Jamaïque qui déjà revendiqué et tout gros journal jamaïcain fait la une sous Kamala Harris, colistière Joe Biden nan, qui c'est petite un Jamaïcain professeur dans l'université aux États-Unis et maman c'est un Indien professeur dans l'université tout d'après ça Jamaica Observer rappelé dans pays Jamaïque le Joe Biden nommen pour poste vice-président s'il passait dans élection il fait de lui première femme noire de toute façon première femme noire et premier sud-asiatique tout puisque pour l'Inde là que lui choisit pour poste ça d'après ça journal Jamaica Observer écrit dans éditorial li un choix que grande communauté jamaïcaine qui vit dans pays États-Unis saluer même Jean Akan Sadi Campbell qui président Jamaica Progressive League et pour lui-même choix ça c'est un choix merveilleux pour communauté et pour peuple jamaïcain et qui dit yo sûr que la porter résultat Sadi Campbell expliqué dans page journal là que pas jamais gain doute que Kamala Harris l'a été quitté Kousna, Kous électoral primaire là, il t'a pour retourner dans politique dans plus haut niveau encore. Selon lui-même, et carrière Kamala Harris dans la justice aux États-Unis doit un gros bourade pour permettre une réforme qui fait dans système justice américain. Et pour éditorialiste de Gleaner, un grand journal qu'il a depuis longtemps dans pays la Jamaïque voisin nous et Jamaïcains qui vivent dans pays États-Unis désormais ont une deuxième raison pour voter en faveur parti démocrate là en plus de première raison qui s'est déchouqué et Trump dans tête d'administration et Gleaner qui estimait que une connexion jamaïcaine de toute façon était inévitable dans choix Joe Biden t'a faire parce que s'il pas prend Kamala Harris il devrait prendre Susan Rice. Suzanne Rice, ancienne ambassadrice des Nations Unies et ancienne conseillère en sécurité nationale, bah côté président Obama, et c'était ces petite Jamaïcain, maman et granny à grand papa et papa maman avec maman papa et non papa maman avec maman maman c'est Jamaïcain aussi. Donc Suzanne Rice c'est descendant Jamaïcain. Et il a rappelé selon la presse jamaïcaine donc fierté la Jamaïque concernant Kamala Harris qui s'est petite.